Normalement, ça devrait fonctionner. Bonjour à toutes et toutes. J'espère que vous allez bien. Je commence en emmêlant mes câbles. Ça va pas le faire. Ce matin, ce dimanche matin, c'est Tomb Raider 3. On va retrouver Lara Croft. Ça fait un petit moment que j'avais plus joué à Tomb Raider 3. Ça fait plus d'un mois, je crois. Peut-être deux, je sais plus. Si, j'avais joué quand même en début janvier. Si, si, quand même. Mais ça doit faire peut-être 6 semaines, à tout casser, que j'y ai plus joué. Bref, j'espère que vous allez bien. J'espère que mon cadrage est cool. J'ai toujours peur avec certains jeux de la casse au niveau de mon interface graphique. Normalement, ouais, vous devriez voir, j'ai une partie de retour. Vous devriez voir ce que je fais au niveau du jeu. J'espère que c'est pas trop tronqué. Ouais, du velours. Alors, pour rappel, parce qu'il faut que je fasse un petit mémo rappel. Donc, on est dans l'avion militaire qui s'est crashé dans la jungle. Je me suis rendu dans l'avion et en fait, j'ai une clé sur deux pour déverrouiller en fait un sas, la cale, on va dire, de l'avion. Qui est primordial pour finir ce niveau. Et j'étais resté coincé dans une grotte en fait à mon grand tort. Bonjour SDR, j'espère que tu vas bien. Je résume l'épisode précédent Tomb Raider. Attends, je vais m'éloigner de la cascade parce qu'elle fait un vacarme d'enfer. Et j'étais coincé dans une grotte où je m'obstinais à faire une combinaison avec des leviers, clac-clac, pour rien en fait, parce que j'y avais rien à y gagner. Et le pépin, alors je vous avoue que pour me rafraîchir la mémoire, alors que j'avais très bien réussi il y a 2-3 ans tout seul à pas être bloqué dans l'aventure, en fait il faut se promener dans une autre grotte, celle où je suis en train de me rendre. J'ai dû regarder une soluce pour me rafraîchir la mémoire. C'est peut-être pas celle-là. Attendez, j'ai un doute. Mais non, ça c'est le truc du vélociraptor qui apparaît par la magie du démon. Mais c'est pas la bonne grotte. Au moins j'ai ramassé un truc. Ah oui, moi ça va bien ce matin. Merci, merci. Bah, c'est pour ça que j'ai pris d'ailleurs un peu de retard à prendre l'antenne. Déjà, on a fini exceptionnellement tard, une fois de plus avec Funfan hier. On a fini vers une demi-heure du matin. Enfin, bref, c'est anecdotique. D'ailleurs, je me suis laissé happer en me levant ce matin, là, à 7h et des mouettes, par Runaway, que je me regarde. Je vous rappelle que quand en étant commentateur, j'entends que la voix de FunFan. J'entends pas la voix et le son du jeu. Donc, je redécouvre les dialogues et l'excellente écriture de Runaway. Et moi, j'en suis encore, si vous voulez, à l'épisode 1, alors qu'on a commencé enfin, l'opus 1. Sachant qu'on a commencé l'opus 2 hier avec FunFan hein, sur son antenne. Voilà. Bref, je vais fort bien, merci. Oui, donc il faut que j'aille dans la bonne grotte en fait. Il y a une grotte avec des dinos. Je sais plus où elle est du coup. Parce que la solution, je l'avais regardée il y a une semaine, 15 jours. Non, il y a 15 jours même, je crois. Et je voulais absolument me débloquer de ma situation de Tomb Raider, qu'on continue le jeu, qu'on le laisse pas tomber aux oubliettes. C'est peut-être par là, non? Je sais plus. Bah non, c'est un... Merde. C'est une des grottes toutes proches. Je vais finir par tomber dessus d'ici 5 minutes. Attends, en face, il y a quoi? C'est un cul-de-sac en face? Je crois hein, que c'est un cul-de-sac. Oui, c'est un cul-de-sac, non, c'est débile ce que je fais. Même si la passerelle me suggère qu'il y a une continuité, c'est pas le cas. C'est un piège, c'est un leurre. Non, 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 parce que je suis persuadé que j'irai pas regarder à nouveau la soluce. Mais je reconnais que là, sur le coup, j'ai perdu la mémoire en 15 jours. Mais je sais que il faut pas que je m'obstine. À rester bloqué dans ma grotte précédente. Ouais, tout. Et c'est vrai que des grottes, il y en a pas mal. Hein. Il y a ici. Ah, je crois que c'est là. Oui, je crois qu'il faut descendre.
Ah, non, dommage. Happy duel pêche. Voilà, je crois que c'est là. Je crois que c'est là. Merde, j'ai merdé mon escalade. Ah, je suis peut-être trop sur le côté. Je me trompe. Comment elle fait pour se raccrocher? C'est pas la touche. Ah si, contrôle. Bizarre. Bref, la suite est là. Je suis pas sûr d'avoir le bon flingue, moi. Attendez. Tac, je regarde. Parce que c'est un flingue d'assaut. Va pas forcément m'aider. Je j'en ai pas 50. Quoique si j'ai le lance-grenade, mais. Waouh, c'est l'artillerie lourde. On va peut-être essayer de faire une riposte graduée. Proportionnelle à la menace. Ah, il y a un truc sur l'arbre. Oh merde. Je voyais le mec, mais je m'attendais pas au coup des dinos. Je suis bien content que le mec soit pensé avec les. Qui s'occupe des dinos. Diversion. Ou une fourchette, on devrait surfir. Ouais. Passons à table. Il y en a qui vont déguster. Merde, c'est fermé. J'ai cru que c'était une serrure, mais non, c'est un. Ah bah ils peuvent pas m'atteindre avec la flotte. J'ai le temps d'observer. Attends, comment je désactive la grille? Ce que j'ai pas fait par ici. Oh le bonjour Thunsen. Ah bah tiens. Voilà l'intéressé avec la deuxième clé. Le médaillon, la plaque militaire. Évidemment ça déclenche un truc, sinon c'est pas drôle. J'ai loupé plein de trucs en fait. Je vais vachement vite. Oups. Un petit tyrannosaure. Tout va bien. Alors. Bon, il me regarde pas, ça m'arrange. Oups. Ah merde. Ah merde, la serrure, elle est pas là. Attends. Attends, là je suis dans la mouise. Ah! Oh! Le nunuche qui est tombé dans la flotte. Le petit dino là. Ah, bah il est mort noyé. Ah bah voilà. En plus, j'ai des trucs à ramasser. Merde, j'ai loupé. Et ce qui me fait suer, c'est qu'il y a des trucs à ramasser que je suis en train de louper. Ah merde, je peux pas remonter. Mais oui, je suis allé trop vite. J'avais vu des éléments de trucs dans l'arbre. Je pourrais peut-être revenir. Oh là, je suis en train de me faire bouffer là. Attends, je la joue mal, j'avoue. J'avoue. Attends, je vais prendre une petite trousse de secours. Ouh, on a vu les dents du dino. Ah! Oui, j'allais dire, je suis fait comme un rat là. Oula, très mauvaise posture. Merde. Oula, oui, c'est un petit peu buggé par rapport à la course des dinos. Bon. Ouais, je vais garder l'arme là par défaut, mais bon, j'y crois pas trop. Parce qu'il est pas agressif le mec. Il m'allume pas, hein, si je puis dire. Oh merde, c'est pas ce que je voulais faire. Oh, le coup. Je voulais me rattacher à l'arbre. Voilà, ça je l'avais vu. Ah oui! Ah oui, non mais c'est Noël avant l'heure là, c'est un sapin de Noël là. Vache, il y a même des torches. Hein, faut prendre le temps de bien scruter les lieux. Attendez, pardon, je vous lis dans le chat. Par contre, je pense pas qu'avec le feuillage je puisse sauter. Ça compte comme un. Oh! Oh! Ouais. C'est cool.
Ah. Non, merde! Ah, j'y ai cru! Non, j'y ai cru! Ah, j'ai pensé un moment que je pouvais me retrouver là-haut. Oh merde! C'est ce qui s'appelle apparaître par la magie du démon. Oh, cette musique. Du coup, j'ai envie de tout fouiller partout. Bon, allez, je descends dans l'arène. Je descends dans l'arène. Alors, je suis déjà pu. Je suis déjà pu. Bon, je récupère le plus important qu'est la plaque militaire du malheureux, là. Oh, cette musique. On est d'accord là. Tiens, que je me fasse pas avoir comme la dernière fois. Vous entendez bien la musique du jeu. La vraie musique. C'est dommage, la dernière fois, vous avez loupé le remix du thème du jeu en version indienne. C'était extra. Enfin, ce que j'appelle moi la version indienne, mais. Ouais, c'est bien. Alors, ça fait partie intégrante de l'œuvre de l'immersion. Oh merde! Je pensais pas qu'il était déjà là, lui. Bleh. Oula, attends, je fais des bêtises avec Lara Croft. On va y rêver. Moi, je vous cache pas que moi, j'ai été déçu de pas pouvoir entendre. Oh, il y a une trousse là-bas. La vache, comment qui me chope? Alors, il n'y a pas l'animation, mais ça compte pour. Oh là là, je prends cher là. D'ailleurs, je crois qu'il y a une trousse que j'ai pas ramassée de vie quelque part. Là. Si elle est là, je crois. Oui, voilà. Hop là. Il y en a une autre, j'ai vu, mais je sais pas si je peux l'atteindre. Fou, je l'attends. Voilà, bouge Lara, bouge, 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 ma grande. Là, sur la droite. Ah, je croyais que c'était une grosse pour le coup. Je m'attendais à une bonne récompense, mais non. Dommage. Bah, ça nous prive de. Wouh, je me suis fait choper en vol. Ah merde! Ah, c'est pas évident! Il est bien le. Ouais, t'as pas l'ambiance, ouais, c'est sûr. C'est pas évident comme passage. Ah, concentration. Bon, change mon flingue, j'en ferai pas usage. Voilà. Mais tiens, pourquoi ils sont apparus maintenant et tout à l'heure ils étaient pas apparus? Du coup, je suis en paix. Oh merde, j'ai marché sur la case qu'il fallait pas. Hein? Perdu sa guerre. Merde! Ah bah j'ai merdé mon approche. Non, il faut les récolter avant qu'il y ait le T-Rex au moment de récolter la plaque militaire. Faut faire ça dans l'ordre. D'ailleurs, attends. Je sais, bête, hein, mais je pense aux torches. Autant que j'ai la liberté de me barrer après en récoltant paisiblement les torches. Voilà. D'ailleurs, je vais sauvegarder là parce que je vais reprendre la vie. Sinon, je vais prendre pareil une petite trousse. Du bon usage de l'inventaire, on va dire. Enfin, des vivres.
Alors. Merde. Ah, je ne m'attendais pas que ce soit si profond. Ouais, parce que sinon le passage, je vais te le faire 50 fois si je le loupe à chaque fois. Est-ce que c'est la logique Jurassic Park? C'est-à-dire si tu bouges pas, il te voit pas. Hop là. Ah, ils m'ont trouvé à croquer. Oups. Après, faut que j'aille à l'opposé, je crois. Attends, je sais plus. Mais non, j'y suis allé là. Ou alors, si c'est chronométrie, je sais plus. Je sais plus. Il faut que j'aille de bout en bout de l'arène. Que je tire ça. Et que je revienne. Oh merde. Ah bah non! Ah, il est en train de me bloquer là. Crotte. Ah bah non, c'est de la triche. Ah mais non. Attends, honnêtement, je suis pas sûr d'avoir compris SER la mécanique de l'énigme. Je pense que je suis obligé de faire un double arrière-tour, non? Attends. Oui, elle est fermée la grille. Bah oui. Oui. D'abord un aller pour la plaque militaire du mec. Ça déclenche évidemment le T-Rex, sinon c'est pas drôle. Oui, voilà, la grille est fermée. Ah, tac, 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 tac. Non, elle perd du temps si elle va dans la partie du fond. Hop, on contourne le dino au quick. Voilà. Ouais, c'est quand je ramasse ça, ouais, je perds du temps en fait, parce que l'autre il me court après. L'autre il va me coincer. Ah non, ça va. Là j'ai du bol. Il m'a oublié, entre guillemets. On se raffut. Voilà. Merde, ce qui fait chier, c'est que les petits peuvent venir aussi quand même. Merde, Oum, je vais crever bêtement. J'aurais dû les trucider en fait. Oh merde, Oum. Ah bah on revient là. Alors. Merde. Ah! Je gère mal. Eh oui, bienvenue. C'est votre attraction favorite à la foire. Lara Croft et les dinos. Elle s'est fait croquer le cul. Bonjour à Sagen. Oula, Aft. Je sais pas si je lis bien, pardon, hein. Mon écran est loin. Mais bonjour, bienvenue. Oui, c'est déclaré en l'air que oui, tout à chacun fait comme il le veut, il n'y a pas de souci. Oui, de droit, oui, merci. Oui, j'ai pas peut-être penché, c'est vrai, par rapport à mon siège. En fait, ma webcam, c'est une perche qui est bancale. Donc, j'apparais peut-être de traviole. Mais merci de me rappeler de mettre le dos droit, c'est vrai que dans le temps, je me tasse dans mon siège et c'est pas bon pour la colonne vertébrale. Merci tout plein pour cet acte de fidélité à la chaîne. Ça fait chaud au cœur. Bienvenue. Et j'en profite bienvenue. Pour me ravitailler. Oui, alors le T-Rex. Je vais changer d'arme en fait. Euh.
J'ai peur de tomber vraiment sur des gros ennemis. Je préfère garder l'os grenade, éventuellement le pépon. Le pépon va me servir sur les vélociraptors. Alors, non, eux ils sont. C'est terrible. Je vais faire une extinction de masse. Mais vous connaissez Lara Croft. Ouais, c'est un bug. Attends. Ils apparaissent de manière illimitée. C'est rigolo. Ce bug. Ouais. Ah ouais, c'est délire. Alors, que je reprenne le bon flingue, parce que les vélociraptors, c'est du lourd. Fusil, on va y arriver. Je vais me sortir de ce merdier. Excusez-moi du peu. Merde, je tire. Mais qui est con? Faut que je ramasse la. J'ai perdu une balle bêtement. Alors, il faut que j'aille à l'opposé, voilà. J'ai déjà oublié ce qu'il fallait faire. Goudou. J'ai atterri sur le mauvais flanc. Alors la torche, je la ramasserai après parce que ça craint. Attends. Faut d'abord que je fasse l'épreuve. Et que je me barre dans mon trou à rats parce que tant que j'ai le T-Rex. Le T-Rex, je peux chercher à l'éliminer. Je vais perdre des munitions pour pas grand-chose. De toute façon, une fois qu'il est dans son coin, quick, il est. Il fait partie du décor. Oh merde, il est déjà là. Goudou. Voilà, c'est là où j'aurais pu éventuellement sortir le pépon, mais. Ah! Ah la vache, ils sont rapides les salopards. Voilà. Oh merde, je suis déjà mort là, ça n'est pas la peine. Ah c'est dur. Merde. Aïe, 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 aïe. J'ai plus de balles. Faut pas que je loupe, ça coûte cher. J'ai loupé. Merde. Un de Dieu. Ah, c'est ce qui manque, Kikine. Je l'ai pas fait proprement. Alors, lui, il a pas un truc. Parce qu'il faut que je fasse la récolte du matos, là. J'ai plein de trucs à récupérer. Ça, je peux pas récupérer? Ah, si. Alors, pourvu que le T-Rex m'oublie et que je puisse un petit peu revenir dans l'arène inférieure, faire ma récolte. Voilà. C'est ça. Mission sans mettre plein les fouilles. Ah oui, et puis les torches. Pour rappel, les torches, j'en avais plus du tout. Là, j'ai intérêt à me calmer. En fait, le problème, ma bêtise, c'est que j'ai joué à Tomb Raider avec ma fameuse dalle graphique, avec un éclairage faible, pour pas me flinguer les yeux. Mais le problème, c'est que je suis pas dans le bon contraste du jeu. Donc je loupe des trucs, en fait, bêtement. Et c'est pour ça que j'ai complètement fumé mon stock de torches. Ouais. De la moisson. Ouais. Là par contre je sauvegardais. Même si j'avouerais que j'ai été brouillon, mais on avance. Donc là, l'énigme de l'avion, je devrais pouvoir finir le niveau, je crois. Parce que le dit artefact qu'elle recherche à Lara Croft est dans la cale de l'avion, je crois. À vérifier, je sais plus. Enfin bref, la suite nous attend. Merde, non. Voilà, forcément, elle glisse. Ah là là. Oui, je suis une détorche, oui.
Vous m'aurez compris. C'était dans le cockpit, je crois, qu'il y avait les... Oui, voilà, qu'il y avait toutes les clés. No. No, 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 no. No, 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 best call limit. Voilà. No. Commandant Bishop. Ah bah alors, celle-là a été faite, alors. C'est celle-là qui n'a pas été faite, comme série. Hein. C'est ça qui me manquait la dernière fois. Et là, normalement, c'est bon. Et là, elle devrait dire... Yash. Oh! Je me souvenais pas que ça allumait le tableau de bord. Eh bien. Et c'est dans la cale de l'avion qu'il y a un truc, je crois. Je crois, hein. Je sais plus. Ah merde. Va falloir. Oui, ça va ouvrir le. Voilà, là, il y a un truc hyper important. Qui est ça. Ah oui, il faut qu'elle explose le décor. Alarme! Alerte! Alarme! Oh, ce dispositif de fou. Seigneur! Salopard! Non! Mais non, mais... C'est rigolo! Ouais! Votre attraction favorite, le Dégomdino. Oh! Voilà. Ah merde! Eh non, pas en illimité! Oh non! Mais non, mais il y a des dos partout! Mais non! C'est interdit. Non. Non. Audi, non. Non. C'est le bordel. Au secours. C'est la guerre. Guerre Audi, non. Non. Merde! Non, je me trompe! Oh là là! Elle va mourir! C'est la guerre! Oh non! Mais arrêtez! Allez, sors de là, Lara! Non, mais arrête de jouer, Lara! Mais j'arrive pas à la décoincer du dispositif! Mais barre-toi! Sors, sors, sors! Mais non! Mais comment je sors, Lara, de là? Barre-toi, Lara! Arrête! Merci! On est dans la merde. Au secours. Ah. La suite est là, je crois, non? Je ne sais plus. Oh mon dieu. Non. What? Oh oh. Je crois que je suis mort. Non. Oh ce bazar. Oui c'est ça, la protection des animaux, des espèces protégées va se plaindre. Appelez Brigitte Bardot. Ah. Ah, je me souvenais pas que c'était un tel foutoir, hein, le moment-là. Dur. Oh mon dieu. Ah là 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 là. Papa, papa, papa. Oui. Oui. Ouais, de toute façon, par rapport à l'avion, je peux pas préparer le terrain. De toute façon, je peux pas. Ouais. Ou alors, je prends le risque rapidement d'exploser le décor pour me dégager une voie de circulation. Mais il faut que je fasse vite parce que les dinos traînent pas. Hein.
Ils arrivent rapidement, les salopions. Non merde, j'avais raison. J'avais sauté du bon côté. Oh, mais quel idiot! Ah, la pauvre Lara qui se pète le plafond. Attention! Je sais plus si... Non, ouais, non. Alors... En fait, je vais tirer sur la cascade. Ah oui, c'est ça. C'est ça là-bas qu'il faut sauter. D'accord. Comment j'avais fait? Je ne sais plus. Ah merci. Non, le reprends pas. Le reprends pas. Oh merde, elle est quasiment morte, la malheureuse. Ah, j'ai du mal à contrôler Lara. Aïe aïe aïe. Alors, comment je fais? Attends, je suis dans la mise. Comment je fais? Ah oui, mais non, l'aile de l'avion, je suis con. Ah merde, l'autre il va me gêner dans mon saut. Waouh! Oh oh là là, dur. Dur, dur, dur. Ouh, cette prédation. Eh oui, la logique elle est là. Et à un moment il y a un losange, je crois, de vie. Il était où? Oh oui, le losange des Sims, cela. Merde, non. C'est pas piégé. Oui, ça va. J'ai eu un doute. Ah, belle récompense. Belle récompense. Ouf, on avance. Alors, hop. Sauvegarde. C'est cool. Scène. Is well for you. Me fast in this day. You make plenty good flesh pot. You forget. I might be quite hungry myself. Famished, actually. Ugh. Why did your ancestors flee from Antarctica so suddenly? Oh. Coma, coma. Bad place. Plenty flesh. But for the price of evil. Mutilation. The sixth leader, Mauki, were born without a face. Terrible storms. Men afraid. Run! Set curse of Mauki on the land. No one good enough. But you still worship it? White fella later come here with magic Kuma Kuma stone. In a day, we celebrate the death of him, the Feast of Smile. One of Darwin's sailors, poor fool. Where's the stone now? He lucky fella that kill you. A plenty merry like you. I'll be sure to point that out to him. Sacrée rencontre. Ah, pas mal, hein, 2 secrets sur 3. Ah, mais c'est pas fini.
Alors honnêtement, je pensais qu'on en avait fini avec la jungle. Mais non, c'est vrai, elle a pas mis la main sur l'artefact en fait. J'avais gardé le souvenir que c'était en fond de cale dans l'avion militaire, mais non. J'ai un souvenir erroné. C'est pas ça. Je me souviens plus du tout. Merci pour les GG. Waouh! Le truc à la Batman m'a fait flipper. Très bien fait. Elle est en quête d'artef. Oh non! Oh là! Oh là là! Ça m'a empoisonné la cochonnerie. Oh merde! Enfin, très légèrement apparemment, mais oh merde, on a un autre. Ah merde, bah alors là je me suis pris le poison en plein de poison. Ah, c'est rapide. Je peux pas honteusement essayer de déplater les. Déplater. Déplacer les. Ça. Non. Un souvenir de casse-tête par rapport à en bas et la cascade. Oh là là, ça me rappelle des souvenirs. On va peut-être y passer la matinée. Hein. Je suis à l'antenne jusqu'à 13h, mais je vais peut-être rester bloqué un bon bout de temps. Je me souviens que j'en avais bavé de ce passage. Ah, je me souvenais plus que c'était dans le 3. Tu me diras, des Tomb Raider, j'en ai pas fait 50. Merde. Déjà là, il faut trouver l'endroit où chuter en contrebas. Bah, c'est là. Après le pilier. Faut surtout pas tomber dans la flotte. Il y a une histoire de. Faut sauter en face, je crois, à un moment. Là, je peux pas tomber sur le truc en face. Merde, loupé. Et merde, elle est morte. Ouais, les gorges de Madougou, là. Enfin, j'ai mal lu, Madougou. Dur. Ah oui, merde, il y a les bestiaux. Et l'autre, il est où? Je sais plus. Mais du coup, je peux y aller ou pas? De là où il est venu. Il y a peut-être un truc caché, non? Non. Dommage. Attends. Voilà, là j'ai une belle vue. Quoique ça m'avance à pas de grand chose, à part admirer le panorama, ça ira pas plus loin. Oh merde, c'est par là qu'il arrive. Aïe aïe aïe. Merde. Voilà, je voulais faire un saut retourné que j'arrive même pas à faire. Il est mort? Ah oui. Parce que comme j'ai pas l'ennemi à vue, j'arrête pas de tirer comme un fou furieux. Bon, je vais sauvegarder, du coup au moins ça fera un. Je vais sauvegarder sur la dalle du bas. Voilà. Et moi, je sais où descendre. Ouh. Ah ouais, ça va pas être de la tarte. Donc attends, saut en avant. Comme ça.
Non plus. Puis en plus, elle saute de vachement haut, elle va se péter les jambes. Je dois louper une étape intermédiaire. Intermédiaire, pardon. Ah non. Non, non, j'ai pas d'autre plateforme. Waouh. Une saut latéral peut donner un bon résultat. Pas là. Ah merde. Elle va se péter les jambes. Une fois que je suis là, comment je fais pour atteindre la rive opposée, moi? D'accord, là je peux pas descendre. Si, ah peut-être. On va voir. Ah mais non, c'est pas compensé. Voilà, d'accord. Merde, le problème c'est la vue. Voilà. Ah non, elle pourra pas aller en face. Moi, je suis obligé d'aller là. Ça... Merde. Ah, j'ai merdé la manœuvre. Je voulais qu'elle saute en avant et plouf. Elle a fait plouf. Bon. Merde. Ah, il faut pas que je sois au bord. Ça va être ça tout du long. Hein. Faut vraiment y aller à tâtons, prendre ses repères et trouver la combinaison gagnante. Un jeu exigeant. Les pas de côté, je sais plus. Oui, c'est comme ça. Donc tourner vers. Hop. Voilà, on progresse. Attends, je vais où là? Je peux pas aller en face. C'est beaucoup trop escarpé. Alors, ah, au moins que je puisse. Ah, mais oui. Si, j'ai compris. Hop, je m'accroche, mais c'est en glissant sur le côté, ouais. Normalement, c'est bien fait, hein. Voilà. Oh, il y a un intérêt à rester en dessous. Comment je fais à partir de là? Je me laisse tomber et je me... Non. Là, je reviendrai pas, mais bon, je suis pas spécialement blessé. Alors, on progresse. Ah, j'aime pas quand il montre pas ce que ça déclenche. Ah, c'est la trappe. C'est la trappe. Enfin, d'ailleurs, je ne pourrais pas se caler en face, je suis bête. Oh non. Je ne peux pas aller en face. Merde. Non, sérieusement, comment je fais?
Je peux pas me suspendre au plafond. Ah si. Si si, je peux. Ah là là, Lara Croft. Quelle athlète. Ah merde, je pensais qu'elle allait pouvoir s'accrocher, mais non. Bon, c'est pas dangereux pour Lara, mais c'était pour le principe d'assurer sa prise. Alors, je vais commencer à m'auto-congratuler. Je trouve que j'avance à un bon rythme. Pourvu que c'est dur. Comme aurait pu dire le regretter Jean-Yves Lafesse. Je saute là en diagonale, je peux. Lara Croft en est-elle capable? Nugu du beau. Escalade. Attends, là on voit rien, mais il y a un truc ou... Non, non, il n'y a rien. Noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Oh. Ce jeu de cascade. Alors, si je regarde ce qui m'attend en contrebas. Ah merde! Oh non, heureusement que ça s'est bien fini. De l'importance d'y aller avec délicatesse. Du coup, j'ai complètement snobé le mur escaladable. C'est des limbes là. Je suis obligé de faire un saut, non? Là, j'ai un gros doute. J'arrive pas à lire la carte. Enfin, les lieux. Je saute en avant là. Non? Ce coin perdu. Oh merde. Ah, ils sont chiants. C'est des iguanes géants, c'est... Je peux ou pas? Non, je peux pas. C'est pas ça qu'il faut faire. Descends. Ah non. Ah! Interrupteur. Petite grille? Ah, la blague! La blague de mettre l'interrupteur sur le visage. Ça lui fait un gros pif. Humour! Humour graphique! Qu'est-ce qu'il y a là? Putain, j'ai envie de la tenter là. Mais comment je la mets accroupie là? Je sais plus. Je sais plus. Je sais plus, j'ai oublié la touche. Excusez-moi. Hein. Faut que je retrouve mes touches. Comment je fais pour la mettre accroupie? Je joue au clavier, hein, je précise. J'ai pas pris une manette, je préfère contrôler Lara Croft au clavier. Alors, minute papillon. Je ne me souviens pas. Merde, une torche. Ah, c'est... d'accord. C'est le slash. Dans la barre oblique. Oh non! C'est dégueulasse! Oh, ce comité d'accueil, c'est dégueulasse!
Bah, il faut que je rebute l'autre. Bon. Bah oui, mais non. Oh. Quoi, il m'a suivi? J'ai cru qu'il m'avait suivi. Je vais le laisser en paix. Attendez. Pourquoi j'ai plusieurs chemins? C'est pour un secret, c'est tout. C'est pas le chemin à suivre. Quelle vue! Ah! Si. Ah merde! Chemin. Ah, je peux faire couler davantage. Merde, il m'a empoisonné. Ah, terrible. Du coup, j'ai presque perdu le gain de m'être aventuré ici. Avec le losange là. Soupir. Ah non, il y en a un autre. Et du coup, je suis perdu. Attends, oui, j'étais paré par le haut. C'est vrai. Ah oui, mais attends, je peux pas revenir. Le truc est trop. Ah bah si, mur d'escalade. Par contre, je vais prendre cher au niveau des. Au moment de ma grippe, non? Ah, c'est le problème. Ah, puis il y a le poison. Ah. Voilà, donc je vais m'arrêter là et je vais pouvoir le. Hop. Voilà. Là, quand se soigne. Coûte cher en médoc cette mission. Oh la vache. Piranha en plus en contrebas, on les voit au pied de la cascade. C'est beau! Je me souviens pas du tout de ça. C'est superbe. Attends, je peux descendre cool ou pas cool? Si, cool. Bon, là ça va encore.
je vais t'emporter par les... Ouais, t'es pour le plongeon. Parce que c'est vrai que je vois pas où tu peux t'accrocher. Là, on se demande si on peut pas faire un saut à travers là. J'ai envie de tester plusieurs choses. Attends, voilà. Peur que ça m'a l'air difficile d'atteindre le. Elle va glisser, la malheureuse. Mais je vais tester. Sans élan, j'y crois pas trop. Ah si! J'ai gagné! Oh merde! J'avais vu juste. Ça va être difficile de l'avoir balle par balle. Oh merde! J'ai pas l'air con. Ouais, merci. Bien joué, effectivement, je suis content de ce que j'ai fait. Attends, faut que je saute. Ok, donc. Ce sera plus rapide. C'est bon? Non. Ça y est, ça gémit, elle pointe plus normalement. Alors. Mais si on peut faire un beau saut de l'ange, je suis partisan aussi de la figure. C'est beau, d'un point de vue acrobatique. Voilà, là il y a ça à récolter. Je vais évidemment pas bouder les munitions. Coucou. Ah, c'était encore une de ces cochonneries. Oh là là là. Attends voir. Je reviens par là? Apparemment, oui. Ah, je peux m'avancer jusque là? D'accord. Hop là. Ça, elle va faire un beau plongeon. On va lui faire un bon saut de l'ange. Allez, go. On sauvegarde. Attention au spectacle. Faut que je me rappelle des touches. Je sais plus. Je sais plus. Je crois que c'est. En fait, ça va pas être facile. Comme ça que je saute. Donc attends. Comme ça. Non! Ridicule! Attends, va. Pas comme ça? Merde, hein, j'ai loupé. Attends. Vraiment, j'ai envie d'essayer la figure de saut de l'ange, parce qu'elle le fait trop bien. Mais je sais plus comment on fait. Attends, je cours. Tac, tac, tac. Alors, go. Non, elle veut plus. Elle est coincée. Bah. Derrière. Mais non. Non. Je sais plus comment on fait. Merde. Bah alors, c'est bizarre qu'elle veut pas démarrer. Je comprends pas. Bug de collision ou quoi? Merde. Ridicule! Ah mince! J'essaye d'avancer là, elle va plus. C'est dingue. Voilà. Non, j'y arrive pas. Je suis désolé, mais j'y arrive pas. Ah merde, elle s'est noyée. Non, attends. Alors, il faut pas que je saute dans le truc. Bon, si j'y vais bêtement. Oui, on est d'accord, elle est emportée par le cours. Ah, il faut peut-être que j'aille en surface. Non, je peux pas. Alors, faut que je me grouille. Ah non. Non. Faut pas qu'elle aille dans l'eau.
Ou alors j'ai pas compris, mais... Attends. Je peux pas essayer d'aller en face. J'ai pas le droit apparemment. Si. Ah mais là je me fais bouffer forcément, les piranhas me dégustent. Voilà, pour le coup je sèche. Ah oui, elle est bloquée. Bizarre. Ouais. Ah là là. Je sais pas le coup. Non, il n'y a rien de suspendu. Je peux pas me suspendre au niveau des bras. Enfin, avec les bras. Là, j'avoue, je pige pas. Je me souviens plus de ce passage. Apparemment, faut que j'aille en face. On voit une hutte là-bas au loin. Mais comment je l'atteins sans crever? C'est pas de l'escalade pure et dure, non? On peut pas s'accrocher, non? Là, on est d'accord, c'est trop pas beau, t'as pas volonté. Non, ça rime à rien. Ça rime à rien. On devine à l'opposé qu'il y a de l'escalade à faire. On voit qu'il y a des trucs à peu près plats. Mais comment l'atteindre? On n'y est pas. Là, pour moi, l'eau est toujours synonyme de mort, quoi. Faut que je descende là. Parce que là, je tombe dans quoi? Non, je tombe dans l'eau. Ah, attends. Le courant fait pas encore effet. Je suis pas convaincu. Il y a un bug avec le son, on entend plus les cascades alors qu'on devrait l'entendre. Non bah là je suis tombé dedans. C'est bizarre. Alors faut que j'aille que j'accoste à un endroit que j'ai pas vu. Non, il y a rien là. Oh non, là elle meurt. Faut pas que j'arrive là, c'est bizarre. Sinon je vais dans la grotte au piranha mais je me fais bouffer. C'est débile. Ah, oh, elle est coincée, c'est chiant ça. Bah tiens, elle est tombée. Boum. Ou alors c'est peut-être le mur auquel je faisais face. Je pourrais peut-être l'escalader ensuite. On essaiera après la théorie là. J'y crois pas hein, le coup de la grotte au piranha. J'arrive même plus à faire face au courant. Non, là, ils vont me bouffer grave. Ils vont me bouffer grave. Oui, de toute façon, j'ai envie de dire, la caméra est faite pour que tu te plantes et que tu vois rien. Alors, non, c'est pas ça. De toute façon, je peux me rattacher à rien. Elle est morte. Hein. Alors à voir. L'autre théorie, le mur d'escalade là où j'ai pas perdu pied dans l'eau. En face là. Merde. Oups, c'était un coup à se tuer. Là, elle peut pas escalader. Merde, non, elle tombe dans l'eau. Ah puis une fois qu'elle y est, elle y reste. Hein. Ah bah je suis bloqué là. Je suis bloqué. Posture ridicule du crapaud de Lara Croft.
Bah merde alors. Bon alors du coup je saute dans le quasi vide. Oui non c'est débile. Attends mais non y a rien. Je peux pas. Une fois que je suis dans le coude là c'est mort y a rien en surface. Non c'est foutu. J'ai pas compris. Il y a un truc qui m'échappe. Dans la lecture du niveau. Non, je peux pas faire d'escalade, elle accroche pas au mur. Elle adhère pas à la paroi, si je puis dire. J'essaye de lire le niveau, mais je vois pas. J'aurais mal fouillé la grotte des piranhas. Non, je peux pas monter là, c'est trop abrupt. J'avais sauté à la verticale, j'avais rien à me raccrocher, c'est pas ça. Merde alors. On retente la grotte des piranhas, mais je suis pas convaincu. Ah, ça se demandait si j'avais papier avec mon seau, mais. Non, mais on voit, y a rien. C'est débile. C'est débile. Y a rien de rien. Non, là, elle est morte, y a. C'est pas ça. C'est pas ça. Merde! C'est pas ce que je voulais faire. Oh! Oh! Comment qu'elle est morte? Vache! Elle était vite expédiée! Est-ce que j'ai un gain de marcher sur le coup de la cascade? Je suis pas convaincu. Au moment en sautant vers là, j'avais atterri où? Ah oui, j'avais atterri là, ouais. Et ça ne m'apporte rien. J'arrive pas à lire si je peux m'agripper là-bas où il y a le losange. C'est peut-être la direction à suivre. C'est là où il y a le losange en fait. Vas-y voir. Allez, vas-y là, fonce. Ah ah ah. Ah, c'est quoi ça? Non, c'est une cavité de rien du tout qui compte pas. Et là, je peux pas y aller, non? Merde. Ah, je piche pas. Non, c'est la fameuse cavité où je suis allé là, donc c'est pas ça. Là, d'accord, c'est les piranhas. C'est pas par là. Elle a plus d'oxygène, la pauvre, elle va crever. Déjà, elle a une apnée monumentale. Oh. Je me demandais si elle n'allait pas passer par-delà la cascade là.
Alors là, je sèche, mon cher ZR. Je sèche complètement. Oh, j'irai pas dire que c'est rageant, mais plutôt frustrant en fait. Parce que ouais, ça, c'est bon. Si j'avais un bon rythme, c'est bon, je m'en vante que puis j'ai été vite stoppé dans mon élan. Mais c'est bizarre. Bizarre. Là, tu vois, je suis tenté de revenir en arrière, de revenir sur mes pas, enfin si je peux. Merde, ben non, elle va se casser sa figure, oui, c'est trop penché. J'ai pas loupé un truc. De toute façon, je peux pas revenir apparemment. Non. Foutu pour foutu. Merde. Est-ce que c'est le coup de la cascade? Ah, est-ce que je peux pas aller là? J'y ai cru. Là, je pense pas. Pas de côté. Oula, là je suis sur la. Elle va pas. Ah non, elle se cogne pas. Il n'y a pas de bug de collision. Ouais, mais ça c'est la grotte bonus. C'est la grotte bonus. Attends. Elle m'intrigue la grotte bonus. Attends, mais je l'ai mal exploité. Parce que je suis allé en bas, mais il y a un truc sur le côté là, on a vu. Il y a un truc civilisé. Merde. C'est pas ça qu'il fallait faire. Attends, elle peut escalader le mur là ou pas? Non. Il y a un truc là. Pourtant. Oui, c'est souvent comme ça. Pourtant, c'est un. C'est un secret. Merde, qui est con. Oh. Faut vraiment être au bord. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que j'ai un doute maintenant quand j'ai franchi la cascade? C'est là où on a le son de dring pour dire que c'était un secret, mais c'était un délai en bas au fond. Là, je progresse du coup. C'est beau, j'aime bien. Oh merde, mais c'est dégueulasse. Oh là là. Ah. J'ai du tout cuit. Il faut que je fasse un grand saut pour que je passe par-dessus l'autre. Moi, je veux bien essayer, mais. Ça me laisse dubitatif. Ah oui! Oh, c'est sale! Ah, c'est dégueulasse! C'est un piège, le losange. Il t'invite à y aller, mais faut pas. Oh, c'est chiant, ça. Ça rejoint ma convention de Tokyo, là, que je rigolais sur Sonic 3D, en disant il y a des choses qui se font pas en jeu vidéo pour défendre l'intérêt du joueur. Comme mettre des objets en rouge, alors que c'est des bonus. Il y a des codes couleurs à respecter, normalement. Bon, je connais une demoiselle qui va muscler ses bras. Ouais, je progresse. Ouais. Oui, je me suis un petit peu brûlé.
Je suis obligé de m'arrêter là. Non. Ah oui, joli. Joli, joli. Alors attends, je me baisse. Où est-ce qu'on arrive? Ah, je me sens mieux là. Je crois qu'on arrive dans la dite partie que j'avais décrite où voilà, on voit qu'on peut escalader. D'accord, la surprise c'est qu'on arrive par le haut. Je me sens mieux tout d'un coup. Mais c'est bizarre hein, le coup de la cascade avec le son du secret. Le secret en fait c'est le fait d'aller vraiment en bas. Ouais ouais c'est vicieux. Mais bon. Logique Tomb Raider. De la cabane là. La question est c'est de la suite du coup là j'ai le mur d'escalade en face. Non, oh la vache. Alors il est en face ou... joli. Oh, faut prendre en diagonale, il faut prendre en biais. Waouh, énorme, c'est énorme. Alors, je sens qu'il va y avoir un iguane. Je la sens pas du tout. Je sens qu'il va y avoir un, enfin, le semblant d'iguane. C'est beau. Ah, c'est une pirogue. Bonjour Funfan. Ah. C'est un croco. Il y a un deuxième croco. Ça prend du boudin. Allez, anéantissement, extinction d'espèces protégées. Ah, c'est rigolo le faire de la navigation. C'est cool. Ah, merde, j'avais dans le viseur. You. Il est où le croco? Donc là, attention, pas que je tombe dans l'eau. Alors, la craft. Oui, vas-y. Ah, si elle lève les canons, c'est qu'ils remontent en surface. Ils sont morts. Je sais pas que tu vas bien, Fanfan, pardon. Je suis dans l'agitation de Lara Croft. D'ailleurs, je vais aller aux toilettes. J'ai la vessie qui me pèse là, à force de siroter mon café au lait. Ouais, ça va, c'est cool. Ah, j'aime bien le lieu. Donc, si j'ai pas de bêtises, bah, je saute dans la pirogue et bonjour l'aventure. Ouais. Attends, il y a peut-être un truc à récupérer, non? Il y a rien au fond? Oups, je m'encastre. Je vois rien. Oh oh! Petit levier. Je peux pas faire plus un peu. Et là elle monte sur la pirogue. Ah, c'est dynamique. Je m'attendais à déclencher une cinématique. Ah, c'est rigolo. Ah, trop bien. Par contre c'est pas facile à diriger. Oh, dur. Attention, je suis pas dans l'axe, je vais me casser la binette. Au secours. Canoë kayak. Allez, descente de rapide. Une, deux. Allez, Lara. Oh, cette musique. Allez, accroche-toi, ma grande. Oh, non, les rochers. Aïe, aïe, aïe. Allez, ça... Oh, c'est terrible.
Oh oh, mais c'est fiché, il y a une corde. Non ? C'est une corde que j'ai vue. Oh merde. Mais c'est quoi ce délire ? Waouh ! Elle va crever ! Vite, trousse ! C'est génial ! J'y rêve pas, c'est une corde. Non ? Ou c'est un raccord poireau ? Vous êtes sûr là ? Bah, peut-être que je débarque, non ? Batman. C'est bon, ça s'est calmé. On rejoint la civilisation. Non, je crois pas. Oh, pourquoi ce remous? Ouh, il y aurait pas un siphon. Un siphon, fond, fond. Il faut soulever le schmilblick. Effectivement, ça va vider l'évier. Oh, punaise, il y a une résistance. Oh là, il y a un contre-courant. Wow. Je peux pas aller là, apparemment. C'est logique, en même temps, vous me direz. Oh, oi, oi, oi. C'est rigide du cul. Ah, du mal à manœuvrer. Ah, faut que j'y aille. D'accord. C'est pas fini. Oh la vache. Oh là, doucement, doucement. On va accoster là, sauf que c'est pas abordable. La suite est là-bas. Ah non, c'est fini, c'est fermé. Oh, c'est original. J'ai failli renverser, chavirer. C'est beau. Mais du coup, je débarque où, moi? Attends. Là, j'avoue, je suis nénuche. Là, j'accoste? Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Je peux pas sauter de l'embarcation? Si je me laisse emporter par le courant, j'arrive où? Non, je stagne. C'est bizarre. Non, je peux pas rester là. Le bord est trop haut. Là, il y a éventuellement quelque chose, mais on n'a pas l'air d'être. Ah oui, là je me fous à la verticale, c'est ridicule. Comment je fais pour descendre? Il faut que je fasse une lutte contre le courant. J'ai du mal, hein, je suis désolé. Je fais pas exprès, mais là je suis à la peine. Alors attends. Non, je peux aller à contre courant là? Ah? Ah si! Oh la vache! Mais non, c'est trop abrupt! C'est pas logique! Ne me dis pas qu'elle passe! Non, je suis rassuré. Elle peut pas passer. Comment je fais pour me barrer? Ça devient drôle! Ça devient très drôle! Merde! Comment je fais pour me barrer de là? Au secours! Bref.
Je sais pas. Je sais pas débarquer. Attends. Faut que je monte là. Non. Ah si, elle le fait. Donc en fait, il faut pas que je me laisse aspirer par le... Oh là là, il y a les piranhas. Ah merde alors. Attends. Faut que j'essaye de lutter à contre-courant. Mais non, c'est de jouer un, c'est con. Enfin, c'est idiot, pardon. Je pêche pas. C'est dur de manœuvrer. Non, je vais y aller là. Je vais retourner. Merde. Ah, il faut aller par là-bas. Non, c'est la DGA, non? J'ai pas l'air con. La rotation. Je vais au moins faire une rotation. S'il faut que j'aille en face. Putain, j'arrive pas à tourner, hein, c'est chiant. Faut que je passe par là. Ah, je progresse. Très difficilement, mais je progresse. Faut que je passe par là. Merde, j'ai touché le rebord, ça me refoue en sens contraire. Non. C'est ça? Waouh. C'est pas de la tarte. Une fois que je suis là, je vais où? Ça mène à rien, mon truc. Ah. Attends, il y a un truc là-bas. Ah! Oh non, il y a un croco. Pas cool. Pas cool. Je peux accoster ou pas? Comment je fais? Je sais pas comment je fais. Je recule, ok. Mais... comment je sors de là? Non, c'est pas ça. Je donne des coups de rame là. Ah. Je cherche délibérément. Ah! Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai fait. Par contre, je suis en train de me faire croquer le cul. On revient de loin. Ah. Sauvegarde. Non, pas eux. Oh merde. Comité d'accueil. Ah, je triche. Enfin, je triche. Boum. Grenade. J'en ai marre. Adieu. Merci. On n'en parle plus. Examen d'histoire, le prof demande qu'est-ce qui se termine en 2003, un élève répond en 2002. Ouais. Alors. Mais il y a les piranhas. Il y a les piranhas, donc ça le fait pas. Attendez. Alors, on est à nouveau rentré dans une phase d'observation. À moins que ça s'escalade. Non, c'est pas un mur d'escalade. Pardon, je vais trucider le coco.
Voilà. Je me sens mieux. Parce que il faut peut-être refaire une piquée dans la flotte, mais pas en canoë, quoi. 30 secondes. Attendez. Il faut que j'aille aux toilettes. Je tiens plus. Ah, ma vessie me fait trop mal. Vous pouvez disposer et aller couler un bronze dans votre couvre-chef. Je crois que je vais foncer une. C'est pas grave. C'est pas grave. Il y a défoncé l'arabe des chambres. Me revoilà, me revoilà. Alors, on en était à Vogue la galère. Qu'est-ce que je vais faire? Si je plonge, d'ailleurs, je suis déjà plus. Je suis regardé ou pas? Par précaution, je vais le faire. Je ne vais pas le dire. Hein. Si je vais dans le truc au piranha, je suis mort. Hein. Oula, oula, il y a du courant en plus. Ah oui, non, c'est mort. Il ne faut pas y aller. Je peux rien faire. Je suis siphonné, j'ai envie de dire. Respiré par le fond. C'est pas ça.
Quel est mon gain d'être sur ce plan-là? Il n'y a pas un levier sous-marin. Être un cube parfait. Non, je ne peux pas m'agripper. Pardon. Il faut que je me promène là-bas, mais... Ah non, c'est la mort. Ouah, wow, direct. Ouah. Wow. Mort subite. Non, là c'est un mur d'escalade ça. Mais comment je fais pour basculer en mode escalade? Quelle est la question? Attends. Le problème c'est de trouver le point d'accroche, l'amorce du... Oui, là je glisse, ça va pas. Ça va pas. Attends, c'est un... Ouais, là, je suis couloné, là. Mais bien d'accord, il n'y a rien en dessous. Le doute subsiste. Attends, il n'y a rien, là. Non. Oh bah oh, j'étais persuadé que c'était la texture d'escalade. Ah merde. Je suis déçu. Attends. Non, j'ai cru qu'il y avait un truc au fond à s'engouffrer, mais non. Je suis fait avoir par un effet en conclave. Alors là, je piche plus. J'étais confiant et je ne le suis plus. Par contre, j'ai un courant d'air, moi. Attendez. Je suis en train de perdre mon chauffage bêtement. Excusez-moi.
donc c'est ridicule mon truc. Je vois pas pourquoi j'irais me suspendre au plafond ici. Là, je pige pas. Parce que j'arrive là, mais... Là, je peux pas m'approcher. J'ai vérifié tout à l'heure. Attends voir. De ma position, je peux pas tirer sur la chaîne pour la péter. Non, c'est pas ça. En même temps, vous me direz, ça aurait été débile de, comme le truc fait du poids vers le bas. C'est le contraire, il faut l'extirper, là, le lever comme un bouchon de dévier. Non, je pense qu'il faut sortir par là. Une fois qu'on est parvenu justement à lever le poids et qu'il y a un siphon et que l'eau se vide. Mais... Là, j'arrive pas à lire convenablement la salle. Et vraiment, si je vais là, je meurs. J'ai pas le droit d'aller en face. Enfin, je sais bien qu'il y a la force du courant. Ah oui, non, je suis mort. Dès que je touche la partie là, c'est quick. C'est mort instantané. Merde, là. Alors, c'est dans ces moments-là que je me sens profondément imbécile. Je vois pas le... Merde, je suis tombé. Ou alors il y a les parois vertes, c'est-à-dire avec la végétation. Là, on a vu récemment qu'elle pouvait s'agripper à des murs ou des plafonds qui sont éliminés en liane. Mais là, c'est pas le cas. C'est pas un cube à pousser quand même. Non, non, c'est pas un cube à pousser. Tout bêtement, j'ai quoi comme objet spéciaux? Bah non, j'ai que la pierre d'Infada, donc c'est nul. Là, autant je suis pas pour le copilotage qu'on appelle Backseat, autant là je commence à être ouvert à éventuellement des indices de votre part dans le chat. Si vous le souhaitez, bien évidemment. Parce que là, je percute pas, en fait. Je pense que je suis dans la bonne pièce. Ou alors, non, je suis pas dans la bonne pièce. Je suis arrivé ici trop tôt. Faut que je remonte dans le canoë. Et faut que je débarque. Mais comment on fait pour débarquer? Faut que je trouve la combinaison pour débarquer. C'est quoi? C'est Alt côté? C'est Shift côté? Barre d'espace côté. Non, c'est pas ça. Ah, c'est fin roulé boulé. C'est bon, j'ai compris. Tu connais rien? Oui, non, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, t'en fais pas. Non, à mon avis, il faut que j'arrive là plus tard. Je suis peut-être là trop tôt. Alors attends, je repars dans la grande salle bleu siphon là. Ça doit être plus tard ici. Enfin, je pense. On va voir. Attends, si je peux débarquer ailleurs. Pourquoi ça crache du gaz, je sais pas quoi là. Ouais, mais là c'est trop, je peux débarquer. Je pense pas. Attends, j'ai une résistance en plus. On va voir. Je vais essayer de remonter à contre-courant. Oh là là.
toujours. Ah, j'arrive pas à tourner. Ah, lâchez le bug. Oula, il y a un bug graphique. Il y a un polygone qui est pas texturé. On le voit à droite. Oh vache. Oh, mais attends, il y a une trousse de secours, dis donc. Puis c'est pas une petite. Bah encore un secret, voilà. Du coup j'ai bien fait de bouger mes fesses, mais... Mais je suis à fond en... j'allais dire en magie, en santé. Non? Oui, je suis à fond. Attends, c'est pour le principe du secret, d'accord. Merci pour le GG. Par contre... Ouais. Oui, elle a volé le cristal des cimes. Oui, je pense pareil. Ça me fait penser à la même chose. Bon, je vais recommencer là parce que je suis tellement contre-courant, c'est mort. Ouais. C'est reparti pour un tour, c'est le cas de le dire. Waouh. Qui s'arrête du... Apparemment je peux débarquer là. Enfin, il y a trop de courant, c'est ça qui est chiant. Oui, mais c'est la mort moi si je débarque. Attends. Si je fais ça. Ah, elle veut plus. Elle veut plus débarquer. J'ai pas le droit. Merde. Il faut que je sois dans des eaux calmes. Donc c'est pas ça. Oh merde. Alors ici c'est considéré comme des eaux calmes, même s'il y a du courant. Et si je vais là, je suis... N'oublie pas que c'est une échelle pour la Croft, le maillon là. C'est surréaliste. Là-bas, j'arrive où je sais plus. C'est là où j'avais échoué à fond en descendant, je crois. Je sais plus, on y allait là ou pas? Je crois, hein. Ça met nous ici? J'ai oublié. Attends. Ah bah oui, c'est là où il y a la grille. D'accord. Ça, c'est un mur d'escalade, non? Et là j'avais dit que je pouvais pas y aller. Oui non c'est trop pas beau. Mais est-ce qu'elle peut descendre de son truc? Non? C'est pas des ocanes. Waouh, dur. C'est rigolo de l'avoir lutté à contre-courant. Mais je piche pas.
Ah, j'ai un mal de chien tourné sur la gauche. On va retourner dans la salle précédente. Je piche pas. Je piche pas parce que j'ai pas d'endroit où accoster. C'est beau, j'aime bien l'ambiance. J'ai très Ushuaïa. Voilà, et là c'est considéré comme des eaux calmes, je peux débarquer. Donc oh là là. Qu'est-ce que j'ai pas pigé dans la lecture du niveau? Merde, j'y retourne. Nul le mec. Ça. Non, oui, c'est logique, elle peut pas. Il y a un truc que j'ai pas vu. Est-ce que la mort c'est pas ailleurs? J'ai déjà fait ça. Ouais, non, c'est pas ça. C'est pas un mur d'escalade. Ça sent la banane chez moi. Délicieuse odeur de banane. Je pense pas que ce soit ça, c'est tiré par les cheveux. Oui, non, c'est tiré par les cheveux. Il n'y a rien dans le... J'essaye de procéder par élimination, mais... Là, je serais presque tenté de me regarder une solution sur internet de trichoter, parce que là, je me fais vraiment poireauter. Et c'est tout sauf passionnant, je suis désolé. Oui, j'ai 11h40, en plus. Le piranha, ça va pas être là. Ça peut être que des eaux calmes. C'est quand même pas là où il y avait le losange des Sims à l'écoute de ta vanne, fun fan. Parce que j'avais pas quoi poster. De toute façon, il y avait la zig du trésor. Enfin, du. J'ai pas trouvé. Il y a forcément un jeu, un moment d'escalade, parce qu'on a vu la trousse géante de soins là. Mais ça doit être que la partie intermédiaire d'un parcours. Je suis coincé. Si c'est pas là, c'est où ? Parce que là j'ai pas de commande pour vider l'évier. J'avais vérifié tout à l'heure. Oh là 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 là.
On est bien d'accord, la case. Ouais, la case là, c'est des œufs poules, c'est pas des œufs. Oula! Mince, oui, attends. Il faut vraiment que je. Oups. Oh! Vous avez cru qu'elle allait y rester. Voilà, là je vais remonter là. On va y arriver. Débarquer. Par contre, oh la vache! Ah, quand vous partez dans le sens du courant, pour réussir à revenir à contre-courant, c'est vraiment une lutte redoutable. Je vais faire mon test, mais mon avis, il est débile. C'est que si j'essaye de débarquer dans la partie seconde, encore non, c'est. On voit la texture en surface, c'est même pas des eaux calmes. C'est pas la bonne texture. Là, je peux pas sauter de l'embarcation. Non, non. Merde. Ah, je peux pas. Je peux pas. J'essaye de faire l'éjection du navire, là, du kayak, mais non. Donc, ça peut pas être ici parce que sinon je me fais bouffer par les piranhas. Donc j'essaye d'aller là. Là, elle n'est pas d'accord. Oui, c'est pas les ocanes. Oh merde alors. Là, c'est la cascade contre le courant, je peux pas. Non, ici, c'est pas un endroit où je peux débarquer. Non, bah, je vais recharger ma partie précédente. C'est ici que ça se passe, mais que faut-il faire? Si je retourne à la nage, je suis emporté par le courant et les piranhas me bouffent. Ah! Attends. Oh le con! Il y avait un truc de suspension au plafond. Mais il faut se projeter pour le voir. Oh non! Attends. Ah, je suis deg. J'ai tourné connement en rond pendant une heure. Ah! Et je l'ai pas vu. Oh là là. Du coup, elle va où? Ah, d'où l'intérêt des gaz. Je me disais bien qu'il y avait forcément une épreuve liée avec. Je pensais, moi, une montée des eaux avant que ça redescende avec le siphon, mais non. Oh la vache. Allez, hop, c'est parti.
Il faut que j'y aille au moins de la bonne case. Voilà, tout s'explique. Ah là là. Oh, ce périple. Alors, attends, il faut que je saute là-bas. Là-bas. Ah, désolé d'avoir eu un tel moment d'errance. Ah, je savais pas que je pouvais avoir d'autres emplacements. Ouais, je vais peut-être en garder un peu, on sait jamais. Là, ça va. Oh, la suite, enfin. Oh! Dans ce requête, j'ai pas arrivé. Merde, c'est pas le bon truc. Voilà, tout s'explique. Tout s'explique. Je convoite la trousse. Parce que Lara Croft a pris cher. Elle mérite récompense. Oui. Faut que je tourne, retourne par là-bas. Voilà. Je pense que l'escalade est par ici. Dans l'escalade vers où, je sais pas. Voilà, là on savait. Ah, par au-dessus. J'entends un bruit de boum boum boum. Il y a un dino là ou quoi? J'arrive pas à voir ce qu'il y a en face. Il faudrait qu'il y ait des pics ou je sais pas quoi. Attends. Crache son truc et hop, j'y vais. Par là, est-ce qu'il faut que j'aille en face? Attends, il y a un truc qui me fait. Non, là j'ai pas d'intérêt à y aller, on est d'accord. Merde! Ah, oh, je suis tombé. Oh, c'est la mort. C'est la mort.
C'est la mort qui t'a assassiné, Mathias. Non, c'est pas cool. Dommage. Ah, je pensais que j'avais une tolérance à l'exploration. Ah merde, j'étais là. J'ai oublié de sauvegarder. Ah, c'est horrible. Alors, le 5 plus 1 lance roquette. Ça fait plaisir. Ça, par contre, c'est pour tuer du T-Rex. La violence. C'est un lance suppositoire pour gros dino. Merde, j'ai fait quoi? Bah, j'ai descendu tout comme moi, je crois. Bah, pique. Ah, il faut que je retourne rechercher la trousse à pharmacie que j'avais trouvée. Bah. Doudoudou, ça avance un peu trop. Ça, qu'est-ce qu'il mange la gadin? La malheureuse. Merde! Ah! Il fallait que je grimpe tout de suite et je m'accroche au plafond. Voilà, je retourne et hop, voilà. J'ai eu peur, j'ai cru que je m'étais avancé un peu trop vite. Mais ça va, finalement. Merde! Oh, mais c'est pas vrai! J'aurais dû ligne droite. Oh, j'étais tenté d'essayer d'y aller en biais pour voir s'il n'y avait pas un passage secret. Bon. Donc, quoi, mon premier essai était le bon, hein. Aïe aïe aïe. Donc là j'ai le droit de descendre. Tac tac tac. Il n'y a pas d'accident. La trousse de secours. Attention. Hop là. Ouh, c'était juste. Merdome. Voilà. Attends, il faut que je regarde. Il va bientôt être midi. Ouais, j'ai encore une heure avec vous. J'aurais pu passer, mais prudence et mère de sûreté. Alors tout droit on a dit. Tac, 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 tac. Ouais. Alors, les textures sont pompeuses, hein. J'ai vraiment pas le droit de y aller en diagonale. Le raccourci est interdit. Voilà. Et là, sauvegarde. Ah, on avance. Alors, du coup, je sais plus. Je récolte que ça. La chevrotine, c'est cool.
le coffre, il n'y a rien qui se pousse, il n'y a pas de, de bloc. Là, non, je sais qu'il n'y a rien. Donc, c'était la petite cavité bonus, on ne peut pas dire la petite cavité du bonheur. Donc, il faudrait que je retourne à l'escalade en face. Allez. Non. Ah si. Ceci. C'était une étape intermédiaire en fait. Faut que je laisse tomber. Ah oui. Ah oui, d'accord, j'étais pas convaincu. J'étais pas convaincu du tout. Oh, mais ça arrive à quoi d'être là? Je peux pas plonger dans l'eau là. Attendez. Aller là-dedans, non, c'est la mort qui m'attend là. Elle va se faire découper en lanière, hein. Enfin, lanière en rondelle. Merde! Oh, excusez-moi. J'ai mis le pied où il fallait pas. Ah, et j'avais pas sauvegardé non plus. Oh, décidément. J'ai pas le réflexe de la sauvegarde, c'est dingue. Hein. Les ressources sont là, bienvenue. Alors, une fois que c'est ça, c'est comme presque la règle de Resident Evil que je m'impose, ne pas courir. Tant qu'il n'y a pas d'urgence, ne pas courir. Oui, t'es l'inverse de toi, ouais. Oh, oh, oh. Arrivé là. La texture d'eau m'indique de ne pas faire une piquée. Mais... ouais, le Forest of Fun du jeu vidéo. Ah oui, tiens, tant que j'y pense, comme je te l'avais dit, Fun, quand on s'était quitté hier soir sur le Discord, au-delà de ton direct hein, sur Runaway, je t'avais dit que je m'endormais en jetant un œil au speedrun de GIGN, là, mon jeu GIGN qui nous a bien encore fait rire hier. Et j'ai appris un truc, en fait, les ennemis, t'es pas obligé de les abattre, tu peux les assommer. Tu arrives en fait dans leur dos ou très proche d'eux et tu peux leur foutre un coup de crosse au lieu de tirer des balles. C'est tout aussi valable.
je me suis laissé agréablement surprendre. De savoir qu'on pouvait faire ça, et le speedrunner se sert de ça justement, pour gagner du temps. Un bon coup de crosse dans le crâne est plus rapide que dégainer et trucider tout le monde. C'est une grosse plateforme. Excuse-moi, j'ai pas suivi une scène. J'ai décroché. Peut-être par rapport à tout ce que j'ai dit. Attends. La suite serait en face. Et je saute en face. Wow. Je viens d'essayer. Ah oui. Ah merde, je suis tombé. Je suis allé trop loin. C'est ça apparemment. Bonjour Olive Kitu. J'espère que tu vas bien. Puis que t'es en repos, on est dimanche là. J'espère que tu te souffles un peu. Non, perdu. Ta première chemise a l'air pas mal de jouer par avance. Non mais entièrement pardonné, y'a pas de soucis. Je comprends parfaitement que t'aies plein de trucs à faire. Que tu sois prise par le temps, y'a pas de soucis. Merde, non, c'est pas ça. Voilà, elle est hachée menu. Est-ce que j'avais un intérêt à aller sur cette dalle? This is the question. Quelle est la question? Je ne pense pas, non. Non, je peux pas m'arrêter. Je suis sceptique. C'est pas plutôt par mon point d'arrivée que j'ai un truc à faire que j'ai pas vu. Peut-être que je me tourne vers là, non? Escalade. Escalade, mais comment? C'est un mur d'escalade. On va voir. Oh non, c'est trop abrupt, elle peut pas. Il faut qu'elle se projette en avant et je suis pas convaincu. On va essayer. Ah si. Oh la vache. Wow. En fait, il faut qu'elle remonte à la source du torrent, de manière générale, mais en escaladant, quoi. Oh là là. Merde! Je l'ai acheté trop tôt! Con! Excusez-moi. Ah! Je pensais que je pouvais mettre pied, mais non. J'aurais dû poursuivre l'effort. Oubla! Non, c'est un peu court. C'était pas propre. Parti pour un tour. Il faut vraiment que j'aille jusqu'au bout. Bon, ah, c'est pas de la tarte. Je me souviens plus du tout comment se termine ce niveau. Le pire, c'est que j'ai fait il y a 3-4 ans maintenant. C'est-à-dire il y a 3 ans, je crois.
dire que 2018 ou 2019, la sauvegarde, je sais plus. Enfin, peu importe. Mais j'ai... Mémoire effacée. Mémoire effacée. C'est une redécouverte très agréable pour moi. J'aime bien le polygone de l'ombre portée au sol. Là, je serais presque tenté de lâcher. Non, oui. En fait, j'ai lancé une case. Photo. Non, d'accord, je lâche. Merci. Non, sauvegarde. Allez, on avance. Lentement, mais sûrement. Ah. Oh. Aps. Faut peut-être faire une descente en rappel, non? Oups, la malheureuse. La malheureuse. Mais c'est une erreur de raccord ou c'est une corde? J'ai l'impression qu'elle peut s'accrocher à la corde. Non, ça n'a pas de sens. C'est une erreur de raccord, c'est pas possible. Ah. Ah, cette musique. C'est dommage même qu'elle soit couverte par la cascade. Mais bon. Tartin, allez. Oh oh, monsieur Boulet! Généralement, on finit par découvrir que le boulet, c'est moi! Ouais, bako bako! Bah oui. Et je fais quoi? Faut que je me retourne et que je remonte. Bah non, le boulet sera là, donc je vais me retrouver coincé. Il faut que je me brouille. Non. Non, non, non. Il faut que je rebouche chemin. Il n'y a pas d'échappatoire à gauche et à droite. Attends. Hop. Et je veux... Non, je peux plus m'agripper. Enfin, c'est le mur là qui savait... Attends, il faudrait que je fasse... Non, c'est débile. Hein. C'est... On va essayer... Vite. Ah, tu remontes. Ah, si. Si, c'est ça. Enfin, oui. Calmos, la musique. Oh non, deuxième peine. Non. C'est moche. Bonjour, Chris. J'espère que tu vas bien. Oh non! Ce sadisme! Bon, on la retente! C'est du lourd! Je peux jouer avec les collisions. Dans celui-là, je pense qu'il faut l'esquiver de face rapidement. Et hop là! Oh non! Oh non! C'est du tout cuit. Elle pète le feu. Et m'aide. Mon avis, on approche de la fin là, parce que ça devient balèze. Ah oui, merde, c'est un coup. J'en oublie que c'est le premier boulet. Impeccable, bon, c'est bien, ça va bien, c'est cool. Bah, c'est comme nous tous, apparemment, c'est ça qui est bien. Je pense d'ailleurs que Olive est plus souffrante la nuit, il lui a fait du bien. On était très courbaturé hier. Il nous va bien, c'est que. Et deuxième service? Non.
Moi, je veux bien, mais... Ah, puis il faut qu'elle sprinte. Parce qu'elle s'est sprintée, normalement. Sauf que je ne sais plus. Mais non. Non, c'est pas valable, mon truc. Non. Le premier, c'est bien. De le fuir comme je le fais, c'est la solution. C'est le deuxième, j'ai pas encore compris. Je peux pas me suspendre un truc, non, je crois pas. J'allais dire, j'ai pensé à me baisser, mais non. Non. On aurait pu imaginer que le boulet lui passe par-dessus, mais sa course n'est pas assez rapide. Donc c'est pas ça. C'est pas ça. Oups, je m'y prends mal là. Oh, j'ai du bol. Ah. Attendez, du coup je sauvegarde. Au moins ce sera ça de passer. Je peux pas aller de l'autre côté. Non, c'est pareil, c'est symétrique. Ou il faut que je passe saut. Je peux enchaîner un double saut ou Non. Ouais, non, elle marque là. Là, je me suis mangé le rocher en pleine poire. Et là, à nouveau, je me sens imbécile. Parce que vous êtes peut-être en train de pester devant vos écrans, en train de dire, mais non, c'est ça qu'il faut faire. Sauf que là, j'avoue... Oh, tu cuisines en me regardant. Merci. Bonne cuisine à toi. Bonne popote, comme j'aime bien le dire. Là, c'est l'impuissance. J'ai pas d'idée. Je me suis lancé, voilà, par réflexe, on va dire. Non, attends, sérieusement, elle est où l'astuce? Oui, bon app après, comme dit Fanfan pour la dégustation. Parce que si je fais la même logique. Mais non. Ou alors faut que je me mette en saut à ce moment-là, peut-être. Voilà, là ça arrive. J'ai fini, oui. Ah, le délire. Oui, je sais, je suis nul. Et alors? Vous me laissez ma chance de progresser. Comme ça? Ah, mais merde! Ah, je crois que c'est ça la solution en fait. Deux fois la même astuce. C'est juste que là, j'étais mal face au merdoum. J'ai trop avancé là. J'étais pas assez face au mur d'escalade. Ouais, c'est trop tard là. Merdoum. Sinon, je vois pas. C'est un bis repetita. Hop, deuxième service. Ah, sauter là, une bonne idée. Parce que je gagne du temps. Et hop là. Voilà. Nickel. Donc là, j'ai la voie libre. J'espère qu'il n'y en aura pas un troisième. On dit jamais 203, mais là... La blague serait lourdingue. C'est du comique de répétition après. Oh non. On dit jamais 203, non. J'ai honteux. Oh la vache. Il y en a dans tous les sens. Oh là là. Allez. Merde, je me loupe. Ah, chiotte. Aïe.
Bon, concentration. Allez, allez, c'est la fête des pierres qui roulent. Non mais elle est... Oh, oh c'est dur. Qu'est-ce de le dire, elle passe son épreuve du feu. Vache. Quand je regarde l'heure. Hein. Oula, ne boule pas. Ne boule pas. Est-ce que j'ai un intérêt à revenir sur la... Oui, non. Non, y a rien. Y'a rien du tout. Ok. C'est normal que c'est dur, c'est un rocher. Tu me rappelles, tu sais, une blague de Vincent Pérusse dans les 2 minutes du peuple. Je sais plus si c'est une expertise de... On appelle ça d'archéologue. Et le gars, il lui plaque la tronche contre le rocher qui est en fait un fossile. Et le jeu de mots, c'est dire « Oh, c'est du fossile à dire !» Ah bref, 2 minutes du peuple. François Pérusse, excellent pour les jeux de mots. Sauvegarde parce que je la sens pas. À vrai dire, je suis pas certain de ce qu'il faut faire. Voilà, déjà je me souviens quand même. Voilà. Cette double mort, c'est terrible. Ah là là. Plafond? Non. Attends, je vais m'avancer un peu, je peux. Mais c'est pas un plafond d'escalade. Encore un pas. Ah non, elle cuit. Oups. Non, c'est pas ça. Sans déconner, là, je vois pas dans l'immédiat. Je vois pas dans l'immédiat la bonne... Fallait... Mais non, je peux pas descendre quand je me retourne vers la salle précédente. Attendez. Non, y a pas de progression, y a pas de... C'est pas logique, de toute façon. Je peux vraiment pas descendre. Faut pas que je m'obstine à rester ici. J'obtiens de rien de la salle. C'est qu'une zone transitoire. Ou de transition, si vous préférez. C'est un mur de briques lisses. Je peux pas escalader. Voilà. C'est pas une texture viable à l'escalade. Donc. Oh non. Je crois savoir ce qu'il fallait faire. Merde, oh bah faux départ. J'ai ma petite idée. C'est pas idiot, merci de la suggestion. Le bouton pour couper le feu, non, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Alors, ce matin, on a vu des boutons dans ce niveau-là. C'est. Comment t'es présenté? C'est assez gros. Justement, il y a eu une moquerie graphique avec ce que tu vois là, à l'écran, le visage. De mettre un gros bouton sur le pif, ça lui fait comme un nez de clown quand il y a un bouton. Donc là, il n'y en a pas. C'est vraiment visible, gros, quoi. C'est gros comme le torche, j'ai envie de dire, de Lara Croft. Donc non, il n'y en a pas là. Non, je pense qu'il faille passer deux fois aller-retour sur ce truc de flamme à la noix et revenir par réflexe sur la... Regardez. Sauf que je prends le feu et c'est pas bon. Bon, merde. Où est l'endroit pour provoquer le boulet? C'est par-dessus les flammes ou c'est dans les flammes? Non, c'est par-dessus les flammes. Je vais essayer la technique de me baisser, mais je pense pas que ça marche. Je pense qu'elle va se faire écraser, que ça va pas passer par-dessus. C'est drôle en même temps, moi j'aime bien. Hop là, regardez. Ah si, c'était peut-être ça. Il faut juste que je passe sans me cramer. Oui, j'y pensais, pareil, la vanne, c'est pas bullet time. C'est ça. Mais hop là. Ah, esquive. Bon, c'est bon. J'ai trouvé le truc. Autant ça marchait pas la première fois. Je sauvegardais là. Oula. Ça me dit rien, cette zone.
C'est l'origine de la cascade et du... Ah merde! Je croyais qu'elle allait s'agripper au plafond. Non? Ah, il faut se projeter en avant. Oh là 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 là. Merde, bah bravo. Pff, zéro en gymnastique. J'arrive même pas à m'élancer. Zéro poté. Qu'est-ce qu'un pied d'appel? Vas-y Lara. Oh merde. Je fais pas ça non plus. Non mais j'ai pas rêvé. Il faut s'agripper là, non? Je commence à douter. C'est pas une texture de... Ah non. Pardon, c'est pas là qu'on fait d'escalade. C'est pas le point d'amorce. T'as mis quelle résolution? Bonne question. Je crois que je suis coincé en 1024, en 768. Ou, bénéfice du doute, c'est du 1280 sur je sais plus combien, 860 je crois, un truc comme ça. Parce qu'en fait, je vous lorgne un peu les côtés gauche et droit pour que vous ayez une image potable dans le cadrage. Le problème, c'est que si je mets une résolution plus élevée, je m'expose à des lags de la carte graphique, comme j'ai une carte graphique bureautique. J'arrive déjà à perdre en fluidité. Il faut sauter en fait, non? Non, non, c'est une épreuve de saut. Excellent, je vais les chauffer. Batman! Voilà, là c'est de l'escalade. Merci là. Ça te paraît écrasé, mais ça l'est pas normalement. C'est parce que c'est le format 16/9e. Mais là pour une fois, effectivement, j'ai pas mis en 4 tiers. Mais c'est toujours délicat. Enfin, tu verras à quel point, mon pauvre, c'est une scène. À quel point tu vas te battre avec les différents jeux que tu vas faire. Parce que tous ne proposeront pas toutes les résolutions. Et c'est prise de tête potentiellement pour tous les diffuseurs. Oui, mais en même temps, tu vois, Fun Fan, je donne quand même raison à Tunsen. Dans un souci de qualité. C'est quoi ça? Je connais pas. Je me rappelle pas. Bref. C'est vrai que ça quand même, ça se respecte, ça sent. Allô. L'intérêt de respecter les proportions, ouais. Ah, saut. Saut, à mon avis, sauvegarde, évidemment. Je vais pas vous le faire 50 milliards de fois. Non. J'avais pas besoin de prendre de l'élan. Elle est prise dans les rapides, la malheureuse. La face? Non, sérieux? Non, pas sérieux. C'est pas ça. J'ai joué au tombeau dans l'écran, je fais ça avec un écran 4 tiers. Ouais, ouais. Oui, bah oui. Le problème, c'est que j'ai un peu mon retour, si tu veux, mais partiellement. Parce qu'il faut que je vois le chat. Moi, évidemment, mon écran principal, tu penses bien que j'ai joué en plein écran, nickel. Mais le morceau que j'ai, si tu veux, j'ai une moitié de Lara. J'ai la partie droite que je vois, elle m'a l'air pas trop déformée. Bonjour, David Olive, je sais pas, tu vas bien. Mais ouais, c'est vraiment pas évident. Alors, phase de réflexion, après la phase action. Mais si, c'est en face qu'il faut que j'aille. Je peux pas aller ailleurs. Attends.
Attends. Parce qu'il faut que je rejoigne le... Je sais plus comment ça s'appelle. La tyrolienne. La tyrolienne... Attends, voir. Non, j'ai rien pour le... Attends. Que je lise bien les blocs. Ah, c'est à l'opposé qu'il faut que je saute. Je saute sur le mauvais bout. Voilà qui est mieux. Voilà qui... Quoi ? Ah oui. Ah oui, d'accord. Il faut pas que je chope en plein vol la tyrolienne. Batman. Si la réception à la tyrolienne se passe mal, je préfère sauvegarder. Ça va et vous ? J'ai une question super importante. Est-ce que tu l'habilles aussi avec un petit débardeur et un mini short ? Je sais pas si c'est possible, honnêtement. Je sais pas si on peut changer sa tenue. J'ai jamais fait gaffe, à vrai dire. Waouh, c'est violent. Elle l'a pas pris trop cher, elle est encore vivante. Ah, en IRL, oui, la natte, oui. Oui. Non, c'est... alors, si, je comprends bien ton propos, David Olive, sa tenue actuelle, c'est loin d'être sa plus belle. Hein. J'ai un souvenir où elle est dans un niveau au Japon, où elle a une tenue super classe, une tenue de soirée en fait. Elle est magnifique. Ça, j'aime beaucoup. Oh non. On va la refaire. Ridicule. Ah, je les avais oubliés le temps d'une heure. Ah là là. Ah oui, Angelina Jolie. Oh, tiens, j'ai une anecdote à vous raconter. Peut-être que vous la connaissez. Angelina Jolie qui incarne au Cinoche donc Lara Croft. La malheureuse, elle s'est pété la cheville. La scène du chandelier. Quand elle est suspendue en chandelier et qu'elle fait un saut. La première prise, elle s'est complètement loupée à la réception. Elle s'est fait très mal. Je me souviens, elle avait répondu à une interview où j'avais vu sûrement... C'est un serpent, ça, non ? Ah non, c'est peut-être une trappe. Oh. Oh non, 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 non. Merde. Ah, trop tôt. Du coup, il va m'attendre au bord. Non. Il est où? Ah, mais il est mort. Ah, bah c'est cool. Je vois rien. Oui, mais ça doit pas être fermé. Si. Faut que je puisse descendre, non? Attends, il y a un truc que je piche pas. Il y a un truc que je piche pas. Ah, c'est une astucieuse partie supérieure. Excellent. J'ai failli me faire avoir comme un bleu, dis donc. Attendez, pardon, je sauvegarde. Hein. Je suis un paranoïa de la sauvegarde, mais au moins on avance. Mais il y a d'autres tenues que j'aime bien de Lara Croft. Je suis pas adepte des pulls déshabillés.
Je suis pas client de ça. Je préfère vraiment qu'elle présente de manière élégante. Et voilà. Le bruit de l'eau qui change de direction. Voilà, oh, la tyrolienne. Il y a un bug, on trouve la tyrolienne ici, c'est vrai. Ouais, bah oui, c'est le côté charme, coquin, ouais. Oh. Oups là. Ah, on se retrouve. Oh la vache. Ouh, la sortie en canoë va être drôle. Allez, c'est parti ma grande. Canoë, kayak. Là, des rapides, va y en avoir. Allez, je vais sauvegarder dans le canoë. Enfin, peut-être dans le bon sens. Et bon, voilà. Parce que ça va pas être évident comme phase de jeu. SDR et FunFan m'ont vu leur précédente galérer grave. Et peut-être une scène aussi. Je sais plus si t'étais là. À naviguer à contre-courant. La grande lessiveuse. Ah. Attention. Wouh. Excellent. Oh, elle est quasiment morte. Oh, oh non, Coco. Fun fan qui défend ses intérêts. Ah ben là. Et oui, d'abattre une idée. Alors, est-ce que je peux débarquer sans me faire bouffer? Elle veut pas. Oh merde. Ah, c'est dommage. Je suis obligé de débarquer côté flotte. C'est dommage. Bateau. Eh merde. Allez, l'autre il va me croquer. Voilà. Ah non. Au secours. Merde. Je sais pas ce qu'il faut là. Cochonnerie. Je suis en train de me faire peur. Il est mort? Il est mort, oui, il y a eu beaucoup de sang. C'est des clés ça, non? Ah non, je croyais qu'il y avait un dispositif, mais non, mais non. Donc c'est pas pour tout de suite. C'est quand je prends les flingues. Je sais pas si. Ah, vous le voyez peut-être pas. Elle est. Pardon. Elle est en petite. En haut à gauche pour moi. Mais je pense que vous la voyez pas malheureusement. Parce qu'elle est vraiment petite. Là, je peux vous dire qu'elle est à moitié. Et encore, il faut que je dégaine les flingues. Parce que si je rengaine, j'ai pas l'info. Je me sens imbécile. J'ai pas compris le but de la manœuvre. Attends. Attends. On va faire le tour sous-marin là. Y a pas un levier que j'ai loupé? Si, j'ai loupé un levier. Je me dis aussi.
Ah, t'as gagné un chabot de Renani. Bien. Oh non! Mais non, mais j'en ai marre des crocos, moi. Oh là 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 là. Non, recule pas! Ouais, voilà, elle est morte. Oui, un sac à main, ouais. D'accord, j'avais pas sauvegardé. Merde. Tout est à refaire. Oups. Alors, est-ce que je peux limiter la casse dans la chute pour qu'elle se blesse pas trop? Oui ou non? C'est pire. Elle est arrivée morte. Ah, le con. Je ferais peut-être bien de me laisser naturellement emporter par le courant. On va voir. Une fois que je suis dans le bon sens au niveau du rapide, dans le couloir, là, le corridor, je me laisse... Allez, on y va. Hop, je touche plus à rien. Est-ce la bonne solution? Non? Elle fait du surplace. Ah, c'est pas logique, là. Il n'y a pas d'angle d'approche. Oh merde! J'avais réussi du premier coup. Il y a un truc qui m'échappe du coup. Oh, une anguille. Je me demande si c'est pas la première fois que je vois cette proposition sur ma chaîne. L'anguille. J'arrive pas à le souvenir. Vache, elle prend cher, hein. Je vois pas comment je peux parer. Alors, je vais essayer de me la jouer astucieusement. Qu'elle saute dans l'eau proche du bord, que je puisse rapidement rejoindre le quai. Ouais, en même temps, tu me diras. Allez, on y croit. On ne veut plus là. Ah, ouais. Faut qu'elle puisse atterrir dans l'eau en fait. C'est ça qui est chiant. Oui, ça fait plaisir là. Elle s'est mangé un morceau, ça va pas. Oh là là, j'ai déjà plus de vie. C'est nul. Nul, nul, nul. Alors attends, c'est en face que j'ai le levier. Ça libère les crocos, bien malgré moi. Hop, demi-tour. Barre-toi, évite. La vache, ils arrivent de face en plus. Je croyais qu'ils arrivaient de côté, mais... Oh, ce sadisme. Allez, bon. Wow. Allez. Alors, il meurt. Merci. Terrible. Allez, go. Non, pas du tout. Je connais pas du tout l'anniversaire. Je dois l'avoir dans ma collection. Je le découvrirai avec vous à l'occasion, quoi. Là, je suis parti pour faire les... dans l'ordre de sortie sur le marché des Tomb Raider. Après, on est au 3, après, je ferai le 4... 5, 6, etc. là.
je sais plus les noms. Ah. Ça veut dire qu'il y a encore un niveau derrière. Bon là j'ai qu'un secret sur toi. Ah, la belle musique. Merde, il est déjà midi 43. Oh. Dur. On est où? Merde, je suis dans le trajectoire du poison. Tant pis, je suis mort. Mais ouais, quel comité d'accueil. Ah, c'est les autochtones. Tiens, tiens. D'accord. Oh, il est énorme. Oh, ce boulet. Ce génocide. Ah, là. Mais de toute façon l'autre il avait prévenu l'autochtone qui était pacifiste. Il disait ils vont me tuer machin. Le dialogue était terrible mais... Ah il y en a un autre. Non mais elle est morte la pauvre Lara. J'ai pas de trousse de secours, je suis foutu. Évidemment les gugus sont pas leur antidote dessus, enfin sur eux. Moi j'aime bien les escaliers. Ah non mais ils sont 50. Mais... Bon bah la phase va pas être évidente. Dur, dur, dur. Ah, ça c'est du temple. Vous de Dieu. Alors, si je me barre. Hop. Oh. Mais attends. Elle peut se refiler là, non? Merde, pas bon. Attends, ça m'intrigue. Merde, je me trompe de touche. Oh, quel idiot. Non? Ah, j'y ai cru. Ah oui, d'accord, oui, non, il y a un petit bug de texture, là, d'accord, il y a double texture. Ah, il y a triche, là. J'ai cru que je pouvais m'engouffrer en dessous, moi. Oh, cette ambiance de fou. Je vais y aller au fusil à pompe pour sauver ma peau, ou quoi? Ah, j'ai que deux cartouches. Je vais pas aller loin. Ah, MP5 peut-être. Fusil d'assaut. Est-ce que je peux les atteindre sans qu'ils puissent eux m'atteindre? Non. Ouais, non, ils m'ont touché. Ah, c'est dur. Faudrait que je fasse la même chose, mais sans me faire piquer. Piquer le cul. Ah, puis il faut que je regarde le début du niveau, merdôme. Je me recoltine la scène finale à chaque fois. D'ailleurs, observation toute bête, il n'y a pas de trousse dans l'eau. Tant que je suis là, ce serait dommage de passer à côté d'une trousse de vie. Je prends des armes, on peut le dire. Attends, je vais me barrer parce que comme ils sont tout de suite là, j'aurais pas à me faire allumer. Voilà. Voilà, là je regarde à l'abri. Il s'agit de pas s'exposer. Touché.
Dès que je le vois, j'ai la barre de vie qui bascule au jaune. Et c'est qu'ils m'ont piqué. Le poison est terrible. Ah yes. Là, je suis pas empoisonné. Là, j'ai réussi mon assaut. C'est cool. C'est beau. Oh, j'aime beaucoup. Et là, du coup, ça rime à quoi? Non, ça doit être un accès plus tard. Peut-être le fait de s'évader, justement. Comme ça descend méchamment. Merde. J'ai mis le pied sur un truc à poison. Ou c'est un gars qui m'a eu et je le vois même pas. Enfin, je pense pas, non. Ah si, elle a pointé quelqu'un. Bah, je l'ai même pas vu le mec. Bah, vache. Dur. Dur, dur, dur. Donc le gars, je l'ai bien explosé. Bonne nouvelle. Excusez-moi du peu. Je progresse. Je vais re-sauvegarder une fois que je serai là. Parce que je crois que ça déclenche pas tout de suite l'autre mariole qui va m'allumer. Du moins, je dois espérer. Ah, il est... Attends. Ouais, il a essayé de me quick. Ouais, là, il m'a touché. J'ai pas le droit de rester inerte. Même le temps de faire un roulé-boulet, ça passe pas. Oh, joli! Magnifique! De l'intérêt de choisir la bonne arme, hein. Ça a vraiment un intérêt sérieux. Voilà, du coup, je sauvegarde, c'est tout bénef. J'ai passé le souci de l'empoisonnement. Oh, mon Dieu. Ça rappelle pour ceux qui ont fait Tomb Raider 2, la muraille de Chine. Ah la vache. Mince. Oh, pardon, je me prends le coude dans le câble des écouteurs. Oh la vache. Ah bah, trousse de vie. Le pire c'est qu'elle est devant moi, je réagis même pas. Faute. Ouais, là j'ai peur que j'ai à mort besoin de trousse de vie. Ah c'est dur. Ma marge d'erreur, elle n'existe pas là. Ouais. Là, je vois plus rien. Non, faut pas aller en face en plus. Attends, attends. Faut que je saute entre les. Clic-clic là. Oula, dur. C'est surtout qu'il faut que, avant de me lancer, il faudrait que je voie mon point de chute en fait. C'est là-bas, je crois, il y a un bouton là-bas. Il y a un bouton là-bas, il y a un bouton là. Oh la vache. Merde, je suis allé au mauvais moment. Bonjour Rose Ben, pardon, j'espère que tu vas bien. Ah, il y a plein de boutons en fait. Ah merde. Ah, il monte jusque là. Ah, je crois qu'il y avait une tolérance sur la butée là. Oh là là. Oh là là. Bah, l'épreuve là, je la passe pas aujourd'hui. Là, et on est à moins de 10 minutes de la bascule chez l'ami Fun Fan. Et je meurs de faim d'ailleurs.
J'ai encore mangé comme un ogre. Attends, là j'ai l'impression qu'il y a que... Ah non, qu'un bouton, non c'est faux. Ah ouais, non, l'horreur. Merde. J'ai une épreuve de réflexe. Nickel, moi, merci, merci. Plein de crudité. Non, 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 non. Je ne carbure pas qu'à ça. Non, là, j'ai encore, j'ai envie de dire, je finis par m'en plaindre, mais c'est bon. Un restant de pot-au-feu. Mais là, il faut que ce soit la fin parce que il a été fait originellement bah, il y a une semaine, en fait. Dimanche dernier. Donc il est temps que je le croque et puis je pourrais varier mes plats à partir de demain. C'est horrible là, je me souvenais pas de ça moi. Et d'accord qu'en face je peux pas... Oh la vache, l'enfer. En fait il faudrait que j'appuie sur clac. Mais le truc, bah oui, il va me cuic. La scène est marrante. Attends. Parce que entre sauter, entre les trucs. Ouais, je peux pas me surprendre. De toute façon, j'ai aucun intérêt à me surprendre au plafond, non? Non, c'est un truc lisse. Et attends, en face, je peux rien faire. Oh non, je peux rien faire. Ah, je me souvenais pas que c'était aussi relevé comme défi. Oh la vache. Parce que là, je veux bien en actionner un, mais elle va crever. Ah. Attendez, je veux faire un test. Si je me mets à l'angle. Est-ce que je prends que des légers dégâts et je meurs pas? Mais il faut que je me mette en fait complètement à l'angle. Et si je me baisse, ça aide? Ah, un peu. Ça aide un peu. Mais ça coûte cher en... Là, j'ai pas le temps d'aller en face, le truc va revenir. Oh là là. Merde, j'ai allumé une torche, je voulais pas, mais c'est pas grave. Je me suis trompé de touche. Oh merde. Ouh, tchou. On commence. D'accord. Tac. Alors j'ai un côté. On attend que le truc passe. Voilà. Alors là par contre c'est saut pour aller en face, ça va être chaud. Ah non, elle est morte. Merde. Ah, il faut que je revienne sur ma base d'origine. Non, mais non, je peux pas. Elle glisse la base d'origine. Mon raisonnement est pas bon. Mais non, je peux pas revenir. Merdoum. Ou alors il faut que je me baisse. Ah merde, il est revenu trop tôt le machin. Le premier truc à faire, c'est se mettre à l'angle. C'est seulement après un premier passage que je peux gérer les boutons. Donc là, je prends le bon machin, voilà, il passe. Je file la langue. Voilà. Bou au coin, tu boudes. Tac, tac, tac. C'est une catastrophe. N'hésite pas à préparer ton direct, Funfan. Que je te cède la main des trésors. Ouch, merde. J'ai pas le temps de me coller à l'angle. Ouais, c'est en cours. Ok. Ok, ok, ok. Non, je vais m'arrêter là. L'épreuve là, je la ferai la prochaine fois que je rejouerai à Tomb Raider 3. C'était cool. Tac. Alors. Hop. Attendez que je reprenne mes repères. Oui, je renonce, suis l'as. Oh, lâche, pardon. L'as aussi un peu, quelque part.
J'aurais bien avancé. Ah oui, j'ai pas activé mon navigateur. C'était pour éviter le plantage. Je vais regarder Funfan qui, hop, qui arrive sur sa chaîne. Je vais vous mettre en attendant ceux qui veulent jouer le tableau mystère du moment. Si je clique sur la bonne scène. Voilà. On recherche la tuture jaune. La tuture jaune, en fait, l'indice que je donnais, c'était un jeu dans lequel il n'y a pas que la voiture qui est personnalisable. Donc, s'il y en a qui veulent tenter leur chance et deviner le nom du jeu qui correspond à la voiture jaune, tapez point d'exclamation TM dans le chat, espace suivi de votre réponse, enfin de votre proposition. L'indice t'a pas aidé. Ah mince. Mince, mince, mince. Je suis en train de me faire peur parce que je vois mon ordi qui mouline là. Où qu'il est l'ami Funfan? Il n'est pas en direct. Il a la gentillesse de m'héberger. Merci pour l'hébergement et merci pour ta modération, cher Funfan. Merci de votre présence. On va filer chez l'ami Funfan. Tu, pour un programme multijeu. Non, il mange pas sa purée. Non, mais il a déjà fini de se restaurer à cette heure-ci, Funfan. J'ai envie de dire, il a déjà commencé à bien digérer. Tac, tac, tac. Faudra que je mette le chat, que je vois là, que je puisse faire ta modération quand tu vas prendre l'antenne. Il est 13h. Vas-y voir que je rafraîchisse. Ah bah non, tu as pas lancé, ça sert à rien que je rafraîchisse. Non, tant pis, je vais faire un truc manuel. Bah. Ah, t'as changé la rubrique, j'ai vu que t'as mis rétro. Je viens de le voir à l'instant. Oh, est-ce que je peux improviser un indice pour vous aider pour la voiture jaune? C'est un jeu de course ou de simulation? Plus course. Ah oui, course arcade. Mais si tu veux, je te répondrai que c'est un jeu de course arcade exigeant. Non, non, course arcade, mais exigeant. Il y a une bonne communauté sur le jeu là. Et on partit pour des speedruns en fait. Enfin, pour des. D'ailleurs, le jeu incite à faire du speedrun, à mettre les joueurs du monde entier en concurrence sur les serveurs avec des chronos sur chaque tracé. Vient de remonter une Vandoise du Béarn. Bien, Olive! Cool. Voilà! Voilà! Très bien, c'est Trackmania. Oh, je t'ai attribué les points. Quoique non, il n'a pas lancé. Bah. Ah si, live. Attends, j'ai un bug de l'affichage. Oh, c'est terrible. Faut que je rafraîchisse Twitch pour qu'il réagisse. Ah non, il me met le cul entre deux chaises. Il me dit que t'es en direct, mais que t'héberges mon signal. Mais c'est nul. Oh. Aïe, aïe, aïe. Alors attends, si tu veux que je tire. Oui, lance, lance, lance. Vas-y, lance, 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 lance. Bon dimanche à tous, oui, à toutes et tous, oui. Merci, Chris. Ouais, j'avais pas prévu de mettre à jour le tableau mystère. Oh là là, et puis. J'ai plein de fenêtres qui se sont lancées. Eh oui, c'est le fameux Trackmania. C'est ça. T'es bien, bonne réponse. Bah, je vais faire exhibition d'un tableau mystère ce soir. Ouais, non, le temps que ça charge, j'ai rien lancé au niveau du tableur. Donc c'est bien, ça veut dire que on se quittera ce soir. Alors, à je sais pas quelle heure, comme Bob Bastos ne fait pas de direct, je m'arrêterai pas strictement à 18h, je sais pas. Je vais peut-être pousser avec le début de soirée, on verra. Je vais pas y aller jusqu'à épuisement, évidemment. Mais tout à l'heure, j'essaierai de finir. Project Snowbound. Celui qui aurait dû être en fait le jeu de. Ah, ça y est, il a lancé FunFan. Alors, j'arrive. Ça y est, enfin. Tac, tac, tac. Red FunFan 1992. Le jeu qui aurait dû être le troisième opus à la base dans son développement de Deus Ex. Qui est un bon jeu en soi. Wally, Wally, ouf.
Voilà, normalement ça devrait pas tarder. Alors, hop, une scène, je lui dis re, mais déjà chez Funfan, lui il a fait la bascule manuelle et il n'a pas attendu. Ah là là là. Alors, bascule en cours. Tac, 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 tac. Bon, bah merci, si vous suivez pas l'ami Funfan, qui va faire des jeux rétro, là il va en faire trois différents. Il va faire du Kukem, il va faire du tennis et il va faire du Pong. Mais un Pong que j'aime bien aussi, c'est intéressant. Plus, je crois qu'il fait vocale ouverte sur sa chaîne. Enfin, il va vous redire les instructions en vous accueillant là dans la minute qui suit. Merci à vous d'avoir été là. Bon dimanche. Si vous revenez pas tout à l'heure, moi je reprendrai l'antenne à partir de 16h, peut-être 17h, on verra. Je ferai encore relais avec FunFan. Je reprendrai la main après. Moi je vais aller me restaurer et faire un peu de ménage en attendant. Alors, et puis il faut que j'appelle de la famille en plus. Donc ça va m'occuper pendant les 3 heures au moins. Voilà. Donc moi je vous dis à tout à l'heure, si vous voulez revenir, on sera du projet Snowblind. Bisous, prenez soin de vous. Voilà, je ne sais plus quoi dire. Faut que la bascule se fasse. On voit que j'ai même pas lancé 8 ampes. Vous voyez, il y a le petit cœur mauve au-dessus de l'horloge. Voilà. Et ceux qui me suivent évidemment en anonyme, YouTube, merci à vous d'avoir regardé. J'espère que le contenu vous aura plu. À plus pour le prochain épisode. Prenez soin de vous. C'est important.